Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon dernier point lecture de novembre qui sera un petit mélange avec le 1er décembre. Dans ce point lecture, j'ai du coup 4 romans ainsi que 4 ouvrages graphiques à vous présenter. Je vous parlerai tout d'abord de L'éblouissante lumière de Des étoiles rouges par Davide Morosinotto. Ensuite, je vous parlerai de deux lectures très courtes qui ont été mes deux dernières lectures de novembre, à savoir Habit magique par Lucius Sheppard et La jeune fille au corbeau de Cécile Guyot. Ensuite, je vous parlerai du coup de ma première lecture de décembre qui a été Le pouvoir par Naomi Alderman. Et ensuite, je terminerai avec les graphiques. Côté graphique, j'ai découvert tout d'abord la bande dessinée Entre neige et loup. Et j'ai également continué ma lecture de la série Le voyage extraordinaire avec l'ensemble en fait du second cycle, donc les tomes 4, 5 et 6. Et du coup, je vais démarrer tout de suite et je vais démarrer avec L'éblouissante lumière des deux étoiles rouges par Davide Morosinotto. On est ici sur un roman qui est sorti chez l'école des loisirs, donc dans leur collection Medium, qui sont des romans orientés young adult. On est ici sur un roman qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, du point de vue de deux enfants russes, qui sont deux jumeaux. Et en fait, on va suivre ces deux enfants russes alors que leur ville, enfin, ils habitent en fait à Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg a subi de fortes attaques et devient un endroit qui est très risqué pour des enfants et pour la population de manière générale. Du coup, l'ensemble des enfants vont être emmenés à la campagne en Russie. C'est un modèle qu'on a pu retrouver dans pas mal d'autres endroits, je pense notamment à Londres qui avait fait la même chose, ou enfin pas mal d'autres villes en fait. Et du coup, on va suivre tout ça, et ces deux enfants donc sont deux jumeaux, leurs parents leur ont fait promettre une chose, à savoir de ne jamais se séparer, et ils ont confié à chacun d'entre eux un carnet pour qu'ils puissent en fait raconter tout ce qu'ils ont fait, et voilà, pour qu'ils puissent faire tout ça ensemble. Sauf que forcément tout va pas se passer comme prévu entre ces deux enfants, ce sont deux enfants que j'ai beaucoup apprécié suivre, j'ai beaucoup aimé leur caractère à chacun d'entre eux. Et donc en fait ça c'est pour ce qui est de l'histoire en elle-même, qui m'a donc beaucoup plu. Sauf que dans ce livre, il y a beaucoup plus que juste cette histoire. C'est un roman qui a un travail éditorial que je trouve absolument dingue. Bon, il est dédicacé parce que j'ai vu David Morosinotto au salon du livre et de la presse jeunesse, mais c'est pas ça dont je vous parlais. Comme on peut le voir dès cette page de couverture, en fait, c'est un roman qui est publié, enfin qui est imprimé avec deux couleurs, à savoir du bleu et du rouge, uniquement, donc il n'est pas du tout imprimé en encre noire classique. Et en fait, tout est fait avec des pages comme ça, qui encadrent après des carnets. Et les carnets ensuite vont alterner, à savoir qu'il y a des carnets écrits en rouge, ceux de Victor, et des carnets écrits en bleu qui sont ceux de Nadia. Et en plus de ça, il y a également des illustrations d'époque en fait qui sont dedans, donc ça peut être des affiches de propagande, ça peut être des plans, des cartes, donc voilà, tout ça qui vient se rajouter au récit. Et en fait nous le récit, on va le suivre du point de vue d'un officier. Ça se passe après la guerre et l'officier est chargé de déterminer si ces deux enfants vont être jugés coupables ou innocents de ce qu'ils ont fait pendant la guerre. Et donc en fait c'est pour ça qu'on a ces pages là entre chaque partie, où le commissaire nous explique voilà, son rôle, ce qu'il doit faire. Ensuite, petit à petit, ce qu'il découvre, il y a également des annotations au fur et à mesure, puisqu'en fait, nous, on lit ces carnets, comme le commissaire. Du coup, il y a des petites notes, parfois, il y en a une ici. Il va rajouter, le commissaire, lui, va... Enfin, c'est pas exactement un commissaire, mais bref, il va rajouter des notes sur le bord, ici aussi, par exemple, qui vont, en fait, l'aider à déterminer si les enfants seront jugés coupables ou innocents. Donc, par exemple... Enfin voilà, c'est des enfants qui sont confrontés à la guerre et qui sont obligés de se débrouiller seuls, donc forcément ils vont commettre quelques actes qui ne sont pas bien, enfin dans le sens où ils vont être amenés à voler pour se nourrir ou ce genre de choses. Et à chaque fois en fait qu'ils commettent quelque chose, et ben le commissaire le note et dit que selon l'article de temps, ça c'est une erreur et que c'est coupable de tant d'années de prison ou de tant d'amende, enfin etc. Et donc en fait nous on suit toute cette histoire là comme ça. J'ai trouvé que le côté éditorial autour du récit était un énorme plus, c'est à dire que j'ai beaucoup aimé l'histoire en elle-même, mais tout ce qu'il y avait autour, ça a rendu la lecture encore meilleure. Ça n'a pas été un coup de cœur pour moi, même si ça a été vraiment une excellente lecture, et je comprends que c'était un coup de cœur pour plein de personnes. Je comprends pas trop pourquoi c'est un livre qu'on n'a pas plus vu passer sur Booktube, sur Instagram, etc. Parce que c'est vraiment un roman génial. Et j'étais très très surprise de voir qu'il n'y avait quasiment personne pour aller voir David Morosinotto le samedi à Montreuil. J'étais, je dois dire, un peu déçue, parce que pour moi c'est vraiment un récit qui mérite d'être connu, que j'ai énormément apprécié, et voilà, vous regretterez pas. C'est un roman qui est vendu seulement 18 € pour un roman de 500 pages, et quand on voit...
enfin ce qui est le prix normal en fait pour un roman adolescent de 500 pages, sauf que par rapport à tout le travail d'impression, de tout ce que vous voulez à l'intérieur, ça m'aurait pas du tout surpris, j'aurais trouvé ça tout à fait normal en fait qu'il soit vendu plus cher. Donc voilà, vraiment c'est un très beau livre, je vous le recommande très grandement, et puis il est donc parfaitement adapté forcément à la saison, puisque comme on peut le voir sur la couverture, il y a une grande partie quand même qui se passe dans le froid, en Russie, et dans le froid. Donc voilà, mais vraiment une très belle lecture, je vous la recommande vivement si vous n'avez toujours pas compris, et j'ai mis la note de 18 sur 20. Ensuite j'ai donc fait deux petites lectures rapides, la première c'est Habits magiques par Lucius Shepard. C'est publié aux éditions Le Bélial dans leur collection Une heure lumière, qui publie des récits d'environ 100 pages. Ce sont des récits, enfin j'en ai lu, ça doit être mon troisième je crois si je dis pas de bêtises. Ce sont des récits qui globalement je trouve sont très bien écrits, c'est assez régulièrement plutôt de la science-fiction. Ici on est à peu près sur, enfin oui, la science-fiction du fantastique, ici on est sur du fantastique. Et on va suivre en fait l'histoire de Habits magiques racontée du point de vue d'un garçon. C'est un garçon en fait qui va croiser une jeune fille et il la trouve absolument magnifique, il trouve que c'est une sorte de sorcière des temps modernes, qui l'a fait penser un peu à Morticia Adams, mais qui est jeune, qui a quelque chose de magnétique en elle et qui tombe donc du coup follement amoureux d'elle et qui s'imagine en fait ce que ça pourrait faire de vivre avec elle. Et donc ce personnage là, elle s'appelle Abby, enfin je crois qu'il s'imagine qu'elle s'appelle Abby, et lui il se dit qu'il s'appelle Abby parce que c'est Abby magique, et donc voilà, donc il y a tout ça. J'ai bien aimé tout le côté un peu sorcellerie moderne qu'il peut y avoir dedans, le côté un peu ouais, réinterprétation de la sorcière maintenant. Après, et c'est un récit que j'ai trouvé bien écrit et que j'ai trouvé prenant, après il y a certaines choses qui m'ont dérangée dedans. Je trouve que le rôle d'Abby est assez pourri dans cette histoire, à savoir que bah, Abby est présentée comme étant l'être incroyable qui est le sujet de tous les désirs de cet homme et qui est son énorme élément de convoitise, etc. Sauf qu'à côté de ça, c'est également présenté, enfin également plein de choses super négatives en fait qui sont présentées sur Abby et qui m'ont dérangée. Et en plus de ça, j'ai trouvé que, surtout en fait au départ, il y a une scène particulièrement qui m'a dérangée parce que Abby est en gros, je pense, massothérapeute. Et ce qu'on nous dit par rapport à sa profession et donc par rapport à la profession manuelle m'a profondément énervée, je pense que c'est aussi parce que je suis concernée, que en fait je trouve que ça entretient un peu le cliché véhiculé aussi par certains films porno de la kinésithérapeute et puis après ça part en partie de jambes en l'air ou des trucs comme ça, enfin voilà, que si on travaille avec nos mains c'est que du coup on peut partir dans ces choses là, enfin c'est pas du tout, enfin c'est des choses en fait qui sont, je sais, juste des fantasmes a priori quand même dans la tête de la plupart des personnes, mais qui sont des choses que je trouve dérangeantes et je vois pas l'intérêt en fait de les alimenter dans des récits dans lesquels je... Enfin ouais, donc du coup non. Même si ça fait partie du récit, ça fait partie du personnage d'Abby, etc. Au-delà de juste ça, parce qu'effectivement le pouvoir qu'elle a par rapport à ses mains et qu'elle donne par rapport à ses mains est important, mais ouais, ça, c'est quelque chose quand même qui m'a dérangée. Du coup j'ai mis la note de 15 sur 20. Ensuite, j'ai lu La jeune fille au corbeau par Mina, par Cécile Billoux et illustrée par Mina M. C'est aux éditions Le Miroir au Trouble. Je ne sais pas si c'est une maison d'édition qui publie encore. Et donc c'est un court récit d'environ 80 pages. Donc illustré par Mina M. Et comme vous pouvez le voir au niveau de la police, c'est une police adaptée aux dyslexiques. Ce que je trouve très chouette. Et j'étais assez curieuse de découvrir ça. Puisque c'est vrai qu'en fait ça fait longtemps que j'ai envie de découvrir Cécile Billoux, que je ne l'ai toujours pas fait. Et j'aime aussi beaucoup la collection des chatons hantés aux éditions du Chat Noir, et je trouve ici qu'on retrouve vraiment un peu le code des chatons hantés. C'est un texte que j'aurais tout à fait pu voir publié au chaton hanté, et du coup voilà, ça m'a donné très envie de découvrir Cécile Billoux par ce biais là, par un texte jeunesse avec les illustrations de Mina M, qui est une illustratrice dont j'adore le travail, et voilà, du coup ça a été une chouette découverte. C'est une lecture rapide, pour moi ça a été une bonne entrée en matière par rapport à l'écriture de Cécile Billoux. Je trouve qu'il y a des thèmes intéressants qui sont abordés, l'écriture m'a plu, même si ici elle était très adaptée à la jeunesse, je trouve qu'on voit que c'est une auteure qui peut aussi écrire pour un autre public. Donc voilà, une belle première entrée en matière en tout cas avec Cécile Billoux. Je retenterai l'aventure, c'est sûr. Pour ce qui est vraiment de l'histoire de la jeune fille au corbeau, du coup je peux pas trop vous en dire parce que c'est un texte qui est très court. En gros on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui va être envoyée en pensionnat par ses parents. Elle trouve que c'est un peu parce que ses parents la trouvent bizarre et qu'ils ont envie de l'éloigner d'eux. Et elle est envoyée en fait dans un pensionnat où elle va rencontrer différents enfants et elle va apprendre en fait par d'autres pensionnaires qu'il se passe des choses étranges dans ce pensionnat et que notamment des jeunes filles qui ont certaines
capacité, enfin, il leur arrive des choses, quoi. Du coup, voilà, on va suivre en gros cette histoire-là. Un petit récit que j'ai bien apprécié, c'est vrai que c'était plutôt bien adapté pour la période d'Halloween, c'est aussi pour ça que je voulais absolument le lire à la fin du mois de novembre. Avant la fin du mois de novembre, dans l'idéal. Et du coup, pour terminer, donc celui-ci, j'ai mis la note de 17 sur 20. Pour terminer, côté roman, j'ai donc lu Le Pouvoir par Naomi Alderman, ça faisait longtemps qu'il traînait dans la pile à lire, je l'ai acheté assez peu de temps après sa sortie en grand format, qui date d'il y a un peu plus de 2 ans maintenant, presque 3 ans je crois, donc voilà, ça commençait bien à dater, d'ailleurs le livre est en parfait état puisque je l'avais acheté, pas neuf, je l'avais acheté en occasion, mais il était vraiment comme neuf, donc voilà, il l'est toujours. Pour ce qui est de cette histoire, c'est un récit qui a quand même pas mal fait parler de lui quand il est sorti, mais c'est vrai qu'on ne voit plus trop passer maintenant. On va suivre en fait un récit dans lequel les femmes prennent le pouvoir en quelque sorte. C'est-à-dire que les femmes vont se retrouver petit à petit à développer des capacités. Il y a en gros un fuseau qui ressemble à un muscle mais qui est un peu étrange, qui se développe sous leur clavicule, au départ chez certaines femmes et puis ensuite chez chacune d'entre elles. Et ce fuseau leur permet en fait de conduire de l'électricité. Et du coup ça fait qu'elles ont cette électricité et qu'elles peuvent du coup tenir n'importe quel homme à leur merci, puisque les hommes n'ont pas cette capacité là, à part certaines très très rares exceptions. Sinon voilà, les hommes en fait n'ont pas cette capacité là, donc ça donne vraiment du pouvoir aux femmes. Elles peuvent électriser des gens, elles peuvent tuer des gens, elles peuvent les manipuler en fait en les torturant avec cette électricité, etc. Donc voilà, ça change vraiment la donne. Et on va suivre cette histoire là avec le fuseau durant je crois 10 ans au total. Donc on voit au départ quand vraiment les tout premiers cas, comment est-ce qu'on voit cette population, et puis au final comment est-ce que les femmes vont vraiment prendre le dessus en quelque sorte par ce pouvoir, et puis ensuite comment est-ce que ça va dégénérer dans le sens où, enfin voilà, après ça va dégénérer, les femmes vont vraiment trop prendre le pouvoir en quelque sorte. Donc voilà, ça raconte tout ça. J'ai bien aimé les différents points de vue, c'est un texte dans lequel on a je crois 4 points de vue différents. J'ai bien aimé le point de vue de chacun d'entre eux, il y a 3 points de vue féminins et 1 point de vue masculin. Ils apportent chacun, je trouve, quelque chose de vraiment différent au récit, et j'ai apprécié ça, j'ai trouvé que l'idée était intéressante. Après je comprends pas trop pourquoi est-ce que le récit n'a pas été juste publié tel quel et pourquoi est-ce qu'il y a de l'histoire autour du récit. En gros il y a des échanges de mails, des faux je pense, échanges de mails, qui encadrent le récit. Et je vois pas trop leur intérêt, puisque en fait l'idée c'est que à travers ces échanges de mails on a un peu une histoire dans l'histoire, et finalement je comprends pas trop cette mise en abîme, j'ai pas trop compris son intérêt, je trouvais que le roman était intéressant tel quel en fait, sans avoir ça autour, et c'est vrai que quand c'était présent au début j'ai pas trop compris, et quand c'est revenu sur la fin j'ai pas trop compris non plus finalement le message qui était derrière ça. Je trouvais que le texte avait finalement beaucoup d'impact en lui-même, et que rajouter ces choses-là autour était un petit peu étrange et confuse d'après moi. Donc voilà, en tout cas sinon ça a été plutôt une bonne lecture, c'est un texte qui se lit assez bien, même si c'est vrai qu'au départ il faut réussir à bien situer chacun des personnages, etc. Mais voilà, ça a été une bonne découverte en tout cas, j'ai mis la note de 16 sur 20. Après j'ai donc lu la bande dessinée Entre Neige et Loup par Agnès Domergue et Hélène Canac aux éditions Jungle. L'illustratrice était en dédicace à Montreuil, sauf que ses dates de dédicace ont changé et que du coup je l'ai ratée, j'étais un peu déçue. On est ici donc sur une bande dessinée qui est sortie tout récemment, qui pareil est très adaptée au Cold Winter Challenge ou de manière générale à la période de l'hiver si vous aimez bien coordonner vos lectures avec la saison. Et on suit en fait dans cette histoire deux personnages principaux, on suit le personnage de cette petite fille et on suit le personnage d'un loup blanc qu'on voit pas mal pendant le récit, je vais essayer de vous le montrer. C'est un récit dont j'aime beaucoup beaucoup la colorimétrie, je la trouve très jolie et très douce. Elle change aussi pas mal au fur et à mesure des pages. Mais voilà, globalement on a des planches un peu comme ça, dans un style de dessin très mignon, avec des loups, avec beaucoup la nature, la forêt qui l'entoure. Et donc en fait on a cette petite fille qui grandit toute seule, qui a très peur de sortir de chez elle et qui grandit seule avec son père. Sa mère a priori est décédée. Et on va comprendre que quand elle était petite il y a eu une histoire avec un loup et qu'il y a des choses en fait qui vont revenir et qu'apparemment il y aurait une raison pour laquelle en fait elle ne peut pas trop sortir de chez elle. J'ai vraiment bien aimé, j'ai trouvé ça très mignon, j'ai trouvé les couleurs très jolies, j'ai bien aimé les dessins. Voilà. Après l'histoire m'a pas plus touchée que ça, je l'ai trouvée mignonne, mais voilà. En tout cas c'est une bande dessinée que je peux vous recommander de découvrir pour la saison si ça vous tente, si vous êtes sensible à ce type de dessin, ce type d'univers. Et pour ma part, je vais mettre la note de 16 sur 20. Et enfin, pour terminer, je vais donc vous parler
du second cycle de la série Le Voyage Extraordinaire, qui est une série de bandes dessinées par Philippi et Camboni, qui est publiée aux éditions Vent d'Ouest. Donc là, j'ai emprunté à ma médiathèque les tomes 4, 5 et 6. J'avais déjà lu les tomes 1, 2 et 3. En fait, ce sont deux cycles différents. D'ailleurs, les couvertures du premier cycle sont rouges, alors que celles-ci sont donc sous fond bleu. Le premier cycle m'avait plutôt bien plu. On est sur une histoire un peu steampunk pendant la Seconde Guerre mondiale, où on suit deux enfants dont les parents, apparemment, ont joué certains rôles. Et ils se retrouvent embarqués dans tout un tas d'histoires, et il y a pas mal d'éléments un peu steampunk avec des choses qui n'existent pas, enfin qui n'existaient pas, etc. C'était plutôt chouette, j'avais bien aimé le premier arc qui se terminait vraiment. Et donc ensuite, on a eh bien, cette suite qui est proposée, qui est à nouveau en 3 tomes. Et il y en aura donc apparemment une autre, vu la fin de ce cycle-là. C'est un petit peu un reproche que je trouve, dans le sens, pas dans le sens où il y a encore d'autres bandes dessinées après, ce que je trouve très chouette, mais en fait je trouve que du coup ici on se sert un peu du fait qu'il va y avoir un autre arc derrière pour ne pas terminer en fait pas mal de choses, et je trouve ça un peu dommage de pas boucler quand même au moins une partie de l'histoire dans cet arc. Finalement il y a beaucoup de choses qui sont laissées pour la suite, et je trouve ça un petit peu dommage. Pour l'instant d'ailleurs le tome suivant n'est pas sorti, j'ai pas vu de date de sortie dessus. Je crois que ce tome-ci s'est sorti quand même il y a quelques années maintenant, pas énormément mais il y a quand même quelques années. Donc voilà. Du côté du dessin, enfin du côté de l'histoire, voilà, je suis un peu partagée, ça reste une histoire que j'aime bien mais que j'ai trouvé plus confuse ici, pas achevée, ça m'a un peu dérangée. Côté dessin, on est toujours un peu sur la même chose, à savoir que j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup tous les dessins de paysages, je trouve que les dessins sont hyper riches, hyper détaillés, mais par contre je suis pas très fan de la manière de dessiner les personnages, voilà, de leur visage, etc. Je suis pas forcément très très fan, mais c'est vrai qu'en dehors de ça j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup tous les dessins des paysages, des décors, etc. que je trouve vraiment très chouettes. Et du coup j'ai mis la note de 15 sur 20 à l'ensemble de ce second arc. Sur ce, j'ai donc fini pour ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de découvrir certains de ces titres ou s'il y en a certains que vous avez déjà lus, et à me donner votre avis dessus. Puis bah pour ma part je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !